Al-Fatiha, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, mes chers frères et sœurs, mes amis intimes, mes amis cordiaux, louange infinie et remerciements à Allah que nous soyons encore tous ensemble dans une conversation sur le zikir d'Allah. Mes chers frères et sœurs, nous vous aimons beaucoup, mais beaucoup. La chose pour laquelle nous louons et remercions beaucoup, c'est qu'Allah nous a appris à aimer et il nous a ordonné de vous apprendre l'amour. Mes chers frères et sœurs, d'un côté, il y a le bonheur, et de l'autre côté, il y a le malheur. La haine est le représentant du malheur, et l'amour est le représentant du bonheur. Si l'homme arrive à aimer aussi ceux qui lui sont déclarés ennemis, il est l'un des hommes les plus heureux sur terre. Mes chers frères et sœurs, faites-en une pratique d'aimer les gens. Faites de l'amour la chose la plus précieuse. Si vous aimez, vous serez aimé. Voilà pourquoi Allah nous ordonne « Aime aussi ceux qui ne t'aiment pas ». Louange à Allah qui nous a enlevé les sentiments de haine, de rancune et de vengeance en intégralité. Que dit Allah Ta'ala? Ils peuvent te faire du mal et toi tu ne peux pas leur en faire. Nous, nous sommes guidés par Allah. Nous ne pouvons faire que ce qu'il nous fait faire. Et ce qu'il nous fait faire est le plus beau. Alors, ce qui est le plus beau, c'est de répondre au mal par le bien. 1. Répondre au mal avec le mal. 2. Face au mal, ne pas s'opposer et ne pas se venger non plus. 3. Répondre au mal avec le bien. Voilà, les hommes les plus heureux dans le monde sont les troisièmes. Même si on leur fait du mal, eux n'en feront pas. Mes chers frères et sœurs, au-delà de cela, il y a ceux qui sont guidés par Allah. Ils peuvent faire ce qu'Allah leur fait faire. Il n'est pas possible qu'ils fassent autre chose avec leur propre libre arbitre. Nous louons et remercions Allah pour nous avoir pris sous son autorité. Pour nous guider. Mes chers frères et sœurs,
si seulement les hommes réfléchissaient. Telle personne m'a fait du mal. Je peux lui faire du mal. Ce serait du talion. Je ne lui ferai rien du tout. Mais lui a perdu en degré en me faisant du mal. Parce que j'ai été touché par ce mal, j'ai gagné en degré. Ce qui est important, est-ce la tristesse que nous endurons dans ce monde ou bien les degrés que nous allons gagner auprès d'Allah? Et le fait que ces degrés permettent de garder les hommes au paradis éternel. Quiconque aura plus de péchés que de bonnes œuvres ira en enfer. Quiconque aura plus de bonnes œuvres que des péchés ira au paradis. Le paradis porte une beauté dont les mots et les explications sont introuvables. C'est une magnifique conception où les hommes sont rendus heureux sur tous les angles. Mes chers frères et sœurs, voilà que le but de ce point-là est important. Que voulez-vous d'Allah Ta'ala? Si ce que vous voulez est le bonheur du monde présent, Allah Ta'ala vous le donnera. Si ce que vous voulez est le bonheur du paradis, Allah Ta'ala vous le donne aussi, mais à condition que vous respectiez ses ordres. Pourquoi la majorité des hommes sont malheureux? Parce qu'ils s'opposent aux ordres d'Allah. Ils ne s'opposent pas à ses interdictions. Ils ne font pas ce qu'Allah ordonne, mais ils font ce qu'Allah interdit. Mes chers frères et sœurs, ce sont les êtres humains qu'Allah Ta'ala aime le plus. Il n'insuffle de son esprit qu'à une seule créature, l'homme. Il veut que la créature qu'il aime le plus soit heureuse. Alors, pourquoi les hommes sont malheureux? Parce qu'Allah Ta'ala explique comment vivre le bonheur d'abord dans la Torah. Puis dans la Bible, puis dans le Coran. Mes chers frères et sœurs, Allah Ta'ala nous a expliqué les sept phases et les quatre soumissions dans toutes ces dimensions. Un, souhaiter parvenir à Allah. Deux, repentir au guide saint. 3. L'atteinte de l'esprit à Allah et sa soumission par sa nature. 4. La soumission du corps physique. 5. La soumission de l'âme à Allah. 6. Être un absolu pur. La soumission du libre arbitre en 7. Les soumissions, la soumission de l'esprit, la soumission du corps physique, la soumission de l'âme, la soumission du libre arbitre. Pourquoi expliquons-nous tout ceci? Allah Ta'ala veut que tout le monde soit heureux, que les hommes sachent ses vérités. Et qu'il n'ait qu'un seul souhait, et qu'il le dise, « Seigneur, moi aussi je souhaite te faire parvenir mon esprit. » Allah Ta'ala va intervenir immédiatement. Il va immédiatement agir sur eux.
Il s'agit là d'un moment qui va durer jusqu'à ce qu'ils fassent parvenir leur esprit à Allah. Pour cela, il faut d'abord que l'homme souhaite faire parvenir son esprit à Allah. Pour la personne qui le souhaite, Allah lui donnera certainement l'amour du guide saint. Il va se repentir le besoin de faire parvenir au guide saint. La personne va accomplir la prière de besoin. Elle va demander à Allah son guide. Et la personne qui fera ses grandes ablutions et qui va accomplir la prière du besoin va lire les trois ayat al-Kursi qui demandera à Allah Ta'ala son guide. Allah lui montrera son guide saint. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que la personne doit faire? Parvenir au guide et réaliser son repenti. Que se passera-t-il? Si elle le réalise, son esprit quittera son corps et partira en convoi qui se dirige vers Allah. Ce convoi va traverser les premiers étages célestes, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage céleste. Il parviendra au septième étage céleste. Là-bas, il va parcourir le chemin de la gauche vers la droite. Il va passer par sept mondes. Et au final, l'esprit parviendra à l'essence d'Allah. Par un chemin vertical, il va parvenir au lotus de la limite, Sidratil Muntaha. À la proximité divine, Indi Ilahi, il s'anéantira dans l'essence d'Allah. Qui était l'esprit? C'était l'esprit d'Allah. Que s'est-il passé? Cet esprit est retourné vers Allah qui en est son possesseur. Mes chers frères et sœurs, si nous sacrifions notre vie pour d'autres personnes, si de travailler pour leur bonheur devient notre objectif, ceci nous fera certainement gagner du bonheur. Allah regarde tout d'abord l'intention. Que pensez-vous? Qu'avez-vous fait? La personne a souhaité parvenir à Allah. Mais il n'a pas réussi son souhait. Parce que la durée de sa vie ne lui a pas permis. Elle meurt peu de temps après avoir fait son souhait. L'endroit où doit aller une personne pareille est le premier étage du paradis. Mais si la personne continue à vivre, Allah va certainement lui donner l'amour du guide. Lorsque la personne aura accompli la prière du besoin, elle va certainement voir son guide saint. Cette personne qui ressent un amour fort à son guide saint et trouvera son guide saint où qu'il soit, en Chine ou au Yémen. Il apprendra où se trouve le guide d'Allah et se repentira auprès de lui. Voilà que le repenti de la personne est la bonne nouvelle. Il entrera au deuxième étage du paradis. Elle vit, si elle continue à vivre, et si cette personne
à une durée de vie de 7 à 8 mois l'esprit de cette personne pendant cette période de 7 à 8 mois, après être parvenu à son guide saint, va certainement parvenir à Allah. Peut-être, après une expression plus juste, est-il nécessaire de faire ainsi? Allah va faire parvenir l'esprit de cette personne à lui-même. Le faire parvenir à Allah sur sa demande, c'est une demande personnelle. Voilà, mes chers frères et sœurs. Allah Ta'ala le réalise. L'esprit parvient à Allah. Après cela, commence la pente raide pour la soumission du corps physique. Il est nécessaire d'augmenter grandement le rappel. Le rappel dépasse la moitié de la journée. Lorsque cela se réalise, le corps physique se soumettra à Allah. Après, la suite se réalise certainement avec l'aide d'Allah. Il s'agit du rappel continu. La personne dort de telle façon que lorsqu'elle fait le rappel, sa voix interne continue de répéter « Allah, Allah, Allah ». Lorsque la personne se réveille, elle s'aperçoit que sa voix interne continue à dire « Allah, Allah, Allah » en même temps que les battements de son cœur. Cette voix interne a eu lieu essentiellement avec la langue en mouvement. Ici, l'esprit est désormais soumis à Allah. Puis vient la soumission du corps physique. La soumission du corps physique dépend de la personne qui doit passer plus de 50% de son temps avec le rappel. Ce chiffre va jusqu'à 80%. Ensuite, Allah fait parvenir la personne au rappel continu. Quiconque parviendra au rappel continu aura aussi soumis son âme à Allah. Mes chers frères et sœurs, Allah Ta'ala montre à vous tous un seul objectif, vivre pour les autres. Les hommes les plus heureux du monde sont ceux qui consacrent leur vie et eux-mêmes pour le bonheur des autres. Combien rendez-vous heureux les gens autour de vous? Les gens qui ne se trouvent pas autour de vous. Et c'est ainsi qu'Allah vous donne autant de bonheur. Nous sommes un serviteur chanceux d'Allah. Allah Ta'ala nous a désigné l'imam de l'époque. Il nous a appris les 7 phases et les 4 soumissions. Il nous a assuré de vous les apprendre. Mes chers frères et sœurs, nous voyons aussi les 7 phases et les 4 soumissions, certainement dans les 3 livres religieux. Un, souhaiter parvenir à Allah, est présent dans la Torah, présent dans l'Évangile et présent dans le Coran. Aussi. 2. Le repenti au guide saint est présent dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran aussi. 3. La rencontre de l'esprit avec Allah et sa soumission est aussi présent dans ces 3 livres.
4. La soumission du corps physique est présente dans les trois livres. La soumission de l'âme est présente dans les trois livres sacrés. Devenir absolu pur est présent dans les trois livres. 7. Soumettre le libre arbitre à Allah est présent dans les trois livres. Que s'est-il passé? À quelle vérité sommes-nous parvenus? Il n'y a pas des religions. Il n'y a qu'une seule religion, la religion d'Anif, d'Abraham. Les cérémonies peuvent être différentes l'un des autres. C'est une fin très convenable à la nature des choses. Mais, mes chers frères et sœurs, lorsque nous regardons la réalité dans la Torah, nous voyons les sept phases et les quatre soumissions. Lorsque nous regardons les réalités dans l'Évangile, nous voyons les sept phases et les quatre soumissions. Lorsque nous regardons le Coran, nous voyons les sept phases et les quatre soumissions. Lorsqu'Allah Ta'ala révèle le vrai possesseur de sa religion, que voyons-nous? C'est Abraham que nous voyons. Allah Ta'ala apprend sa religion à Abraham. Cette religion est la religion d'Islam. C'est la religion des chrétiens. Cette religion est la religion juive. Alors, mes chers frères et sœurs, ici, nos frères d'Amérique sont allés dans toutes les synagogues. Dans toutes les églises. Ils sont allés dans toutes les mosquées. Et ils ont prouvé aux adhérents des trois religions par leurs livres, aux chrétiens par la Bible, aux juifs par leur propre livre, la Torah. Et aux musulmans par le Coran que les sept phases et les quatre soumissions étaient présents dans ces mêmes livres. Quel a été le résultat? Une entente totale. Tout le monde a vu d'une façon certaine que dans une norme où il n'est pas possible de prouver le contraire, que sa religion, avec les deux autres religions, qu'il voyait comme une religion étrangère, étaient les mêmes religions. Toutes sont les religions d'Abraham. Voilà, mes chers frères et sœurs, l'union et la solidarité mondiale va s'établir sur cette réalité. Personne ne peut contester ce que nous disons. Quant à ces réalités, il n'était connu par personne d'autre en dehors de nous. Si Allah ne nous l'avait pas appris, nous aussi, nous ne le saurions pas. Cette époque est celle où nous sommes en vie, où le monde entier va s'embrasser, se rapprocher les uns des autres. Une époque d'union et de solidarité où toutes les guerres vont prendre fin. Ici, là où nous trouvons en Amérique, dans cet entourage,
en allant vers toutes les églises, vers toutes les synagogues et vers toutes les mosquées, nos frères ont prouvé en faisant leur discours à tous les gens qui partent dans ces églises, dans ces synagogues et dans ces mosquées, que la religion des trois livres est la même religion. Et c'est ainsi en Amérique qu'une union de religions a commencé d'ici. Et qui est en train de s'étendre dans toute l'Amérique. Et de là-bas, c'est au monde entier qu'elle va s'étendre. Personne ne peut prétendre l'inverse. Ni les chrétiens, ni les juifs, ni les musulmans. Personne ne peut prétendre l'inverse. Il n'y a pas des religions. Il n'y a que la religion d'Anif, d'Abraham. Cette religion est respectivement le judaïsme. C'est la religion du christianisme. Cette religion est comme dernière religion l'islam. Mes chers frères et sœurs, pourquoi Allah Ta'ala nous fait-il prouver cela ? Parce que nous sommes l'imam de cette époque. Cette époque est celle de la réunification des religions. Alors, à partir de leur ordinateur, mes frères et sœurs, et tous ceux qui se trouvent dans le monde entier, doivent se contacter et apprendre par leurs propres livres, tout en reprenant les mêmes versets que la religion des deux autres livres, en parlant avec les adhérents de ces religions. Il y a aussi dans ces livres les sept phases et les quatre soumissions, et que dans les religions des trois livres, ils voient en vérité cette religion. C'est la religion d'Anif, d'Abraham. Alors, mes chers frères et sœurs, après le judaïsme, le christianisme, après le christianisme, l'islam, ils se sont établis uniquement en raison du changement d'un seul facteur, le temps. Et avec le temps qui passe, il s'est mis en place après le judaïsme, le christianisme, comme si c'était alors une nouvelle religion, puis après cela, c'est l'islam. Cette nouvelle religion, mes chers frères et sœurs, c'est juste un sujet qui montre la différence. En effet, Allah Ta'ala aussi placé les sept phases et les quatre soumissions dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Il dit dans la Torah aussi exprime la religion d'Anif, d'Abraham. Deux, il dit dans l'Évangile aussi exprime la religion d'Anif, d'Abraham. Trois, dans le Coran aussi, Allah Ta'ala dit que cette religion est celle d'Abraham. Que s'est-il passé? De façon chronologique, le judaïsme, le christianisme et l'islam aussi sont toutes la religion d'Anif, d'Abraham. Avant d'examiner l'intégralité de la religion, Allah Ta'ala nous a octroyé un écrit qui montre les sept phases et les quatre soumissions dans ces trois livres. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Personne d'autre avant nous n'a pu dire une telle chose. Personne n'est possesseur d'un effort en vue de réaliser un tel sujet.
parce qu'il n'y a pas de preuve entre ses mains. Nous possédons aujourd'hui la plus grande preuve du monde. Nous sommes possesseurs des preuves les plus solides pour justifier à tout le monde la présence des sept phases et des quatre soumissions dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Cela signifie qu'il n'y a pas de religion, mais juste une différence de cérémonie. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans une nouvelle période où toutes les guerres qui surviennent en raison de la religion vont prendre fin. Il s'agit de notre bonne nouvelle à tous les peuples du monde. Les sept phases et quatre soumissions. Ils constituent le fondement de la Torah, de l'Évangile et du Coran. C'est une preuve certaine que ces explications sont données par Allah. Allah Ta'ala a prescrit à Jésus. Allah Ta'ala a prescrit à notre maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les sept phases et les quatre soumissions à partir de leur propre livre. Personne ne peut dire « Allah n'a pas révélé à Moïse ». Personne ne peut dire « Allah n'a pas révélé à Jésus ». Personne ne peut dire « Allah n'a pas révélé à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Dans chacun des trois, la même vérité sont présentes. Le temps vécu par chacun d'entre eux est différent. Mais actuellement, sur Terre, il est question de l'existence des trois religions différentes. Il s'agit là d'une apparence. Dans le cadre du temps, les cérémonies ont démontré des changements. Et ceci est tout à fait convenable à la nature des choses. Mais les signes d'Allah Ta'ala sont clairs et nets. Donc, il faut noter la certitude dans les trois livres. Ont été écrits par la révélation d'Allah Ta'ala. Désormais, personne ne peut prétendre que n'importe quel de ces livres ne soit envoyé par Allah. C'est un moyen de preuve d'Allah Ta'ala. Pour la première fois dans le monde, Allah Ta'ala nous donne cela. Nous donne ce savoir. C'est un signe qui montre qu'il est temps maintenant de réunifier les religions. Il y a des personnes qui contesteraient nos propos. Elles nous parviennent. Nous leur donnerons les versets un par un. Nous prouverons aussi les sept phases et les quatre soumissions dans la religion avec les trois livres. Mes chers frères et sœurs, Allah ne parle pas pour rien. Allah Ta'ala ne nous fait pas parler pour rien non plus. Tout ce que nous disons est une vérité. Aujourd'hui, nos frères ont pu démontrer avec une preuve complète à partir des trois livres
au possesseur de ces trois livres qu'ils aillent à n'importe quelle église, à n'importe quelle synagogue et à n'importe quelle mosquée, les sept phases et les quatre soumissions appartenant aux trois livres entre leurs mains. Et l'inspection continue au niveau de l'Amérique, en commençant par ici, à Norfolk, où nous trouvons actuellement. Cette vérité est en train de se propager. Les conférences sont en train de se faire et toute la vérité d'Allah est en train d'être expliquée un par un aux pasteurs aux rabbins qui se trouvent dans les synagogues ou dans les églises, ainsi qu'aux musulmans, aux imams et aux savants d'islam. À partir de leurs propres livres, cette union et solidarité qui a commencé en Amérique et qui va se développer dans le monde entier va se voir terminer par une paix mondiale. Qu'on sache que ce discours n'est pas le nôtre. C'est le discours que nous fait faire Allah. Ce sont ceux que Allah veut dire. Sur terre, en dehors de nous, personne ne connaissait les côtés communs de ces trois religions. Maintenant, ils apprennent, mais nous aussi, nous ne le savions pas. Si Allah Ta'ala ne nous avait pas appris, nous aussi ne l'aurions pas su. Louange à Allah. Qu'un homme, même s'il étudiait pendant 100 ans les contenus de la Torah, de l'Évangile ou du Coran, ne serait pas arrivé à ces résultats. Sans qu'Allah lui donne ce savoir. Nous non plus, nous ne l'aurions pas su. Si Allah ne nous l'avait pas appris. Désormais, afin que le monde vive en paix et en sérénité, les premiers pas concrets ont été faits. La Torah, l'Évangile, le Coran ont été descendus par Allah. Les sept phases et les quatre soumissions ont pris place d'une façon certaine, aussi bien dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Un événement de réunification que personne ne pourra contester. En implorant notre grand Seigneur, Allah Ta'ala nous accorde la paix mondiale. Nous terminons là, Inch'Allah, notre discours d'aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, mes amis intimes, mes amis cordiaux, nous parvenons à la fin de nos paroles et vous, encore une fois, et nous vous en remercions. Nous vous aimons beaucoup, mais beaucoup. Qu'Allah soit satisfait de vous.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.